Bah, ma femme. Yeah. On est là ou pas là? Bien sûr, on est là, les gars. Hein? Pour la deuxième non, fois, mais je... non, moi j'entends pas là. Moi j'entends pas. Ah, frère. Moi je suis là, t'inquiète. Ouais, j'ai pas. J'entends. Avec une instru, ma gueule. Kemar, ouais, yes. ça fait à peu près un an, et demi qu'on s'est vu. Exactement. Avec un bon session. Exactement. Ouais, si. Le 1 d'ailleurs. Je vois que t'es très productif. Ouais, très actif, très actif. La 2. Voilà. Et là maintenant, tu reviens avec un nouvel album. Alors, sachant que j'ai fait aussi c'est le début de la fin. Un album, encore avant la fin de session volume 2. Et là, je ressors 2012, la fin du rap game. Est-ce que je vois aller. L'active, hein, c'est active ici. C'est productif. Là, c'est plus de l'activité, c'est la productivité. T'as compris? Si. Ça dit quoi alors? Bah écoute, déjà je vais faire une petite présentation du projet de mes types là, qui sont là. Si. Donc il y a Alias Shogun, on est aussi du Nordique qui est là. Donc c'est du lourd qui va arriver, il y a Otsuka actuellement qui va aussi faire un nouveau projet, il va nous en parler. JaxB900 qui a aussi son CD qui va arriver. Phasotique, un petit qui va poser dur, vous allez entendre. Il y a tout le monde, les Tok Tok, les Galou, il y a Kémis aussi. Kémis, c'est un bon qui va venir, t'inquiète pas, il va te suivre freestyle. Il y a du monde en tout cas ce soir. Ah lui là, il y a ce soir, il y a du monde. Ils sont dans le sang. Ils sont chauds là. Ça vient d'où tout ça là? Bah écoute, on vient de partout. Voilà, il y a tout 7-7 qui est là. Il y a aussi mes petits cousins qui attendent, qui vont venir aussi dans le freestyle. Il y a des mecs du 9-3, des mecs du 9-4. Bon, il y a des mecs de partout. Il y a un mélange, il y a un mélange. À la base, moi je suis du 7-7. Et voilà, c'est bon, le bizarre, c'est avec moi. Si. Voilà. Et donc, toutes ces personnes-là, on peut les retrouver sur ton projet? Et pas tous. Pas tous. Pas tous, mais bon, la moitié. Pas mal. Pas mal. Si. Voilà. On retrouve qui, par exemple, sur le projet? Bah, déjà, dans le projet, il y a Bastos du 7-7. Ah, Bastos. Voilà, il y a plusieurs types, j'ai pas des trucs sous la main. Il y a Rythmo, il y a Etir. Qu'on a reçu en fin de saison de Vox Populi, ça devait être au mois de mai-juin. Ah, sûrement. Mai-juin, on l'a donc reçu. Le big up à Etier, il y aura Arco aussi. Arco qui a fait Mastéva craquer. Donc aussi un big up à lui. Ouais, qui était passé avec Etier. Exactement. Je me souviens. Donc voilà, il y a encore plein d'artistes comme il y aura aussi Oscar, Iris Z. Ouais, les mecs du quartier quoi. Voilà. Si, ça promet du lourd. Exactement. Et ton projet là, il est sorti là ou Non, il arrive le 16 décembre, hein, t'as le temps là. Là pour l'instant, je vous invite à aller prendre l'infâme session volume 2. Ouais. Donc tu peux retrouver dedans Alibi, Rythmo de la Noche, Africain sans état d'âme. Donc le petit prometteur, il y a Juspel aussi, Sancho, Etir, encore. Ouais. On reprend la même équipe avec des autres. C'est disponible. Où est-ce que c'est disponible? Bah tu peux dans les Fnac, à la Fnac de Châtelet précisément, à Clignancourt. À Clignancourt, là vous pouvez trouver tous les CD, les anciens et les nouveaux. Là-bas c'est chez moi. C'est ça. Ouais, tranquille, c'est la mif. Sinon voilà, téléchargement internet, hein, tous les trucs, Fnac.com, Virgin, nanana. Voilà, on trouve. iTunes. On tape quoi? On tape que Marre l'infâme et tu trouveras tous mes CD. Je peux te les même te les rester dans l'ordre, une machine. T'as combien de CD? Franchement, bah écoute, j'ai La Danse du Ghetto que j'ai fait en 2008, La Femme Session volume 1, que je suis venu chez toi en 2009. Si. En 2009, 2000, ouais, environ. J'ai sorti C'est le début de la fin, ensuite l'album que je t'ai ramené là. Ouais. Donc ensuite, La Femme Session volume 2, et là 2012, la fin du rap game. J'en ai marre de. De toujours être au charbon, j'espère que les gens voient un peu. On demande si Crimino il est là. Non, il est pas là. Il est pas là, il est pas là, bah je sais pas, il a un petit souci familial. Voilà, il y a Yé, il demande si Crimino il est là. Et bah non, Crimino il est pas là, il a déliré. Voilà, on l'attendait. Monsieur se fait attendre. Il y a Gabi aussi qui demande après Crimino. Ah, il est pas là, dommage. Ouais, voilà, parce qu'il est là. C'est un bon petit du quartier, t'inquiète, il a fait, il sort son projet aussi, du lourd. Si, bah big up à Crimino alors. Voilà. Si. Et donc là, tu nous disais, donc c'est disponible partout. T'as fait des clips un peu. Ouais, carrément. Si. Donc allez sur mon YouTube, il y a des clips, il y a des concerts, des freestyles radio. Là, récemment, on a fait un concert à Saint-Malo sur 2 jours. À Saint-Malo? Ouais, Saint-Malo, Bretagne, là-bas, là, la mer. Ça fait mal, les Bretons, ils ont pas l'air, mais ils aiment le hip-hop quand même. Ah ouais, les copains, ce truc là, il y en a bouffé leurs fruits de mer, tout ça. C'était bon, mais bon, voilà. Sinon, on a fait aussi Freestyle Radio Urban Hit pour La Boussole Volume 5, DJ Fox. Donc, il y avait Carlin, il y avait plein de monde, McFly. Du lourd, quoi. Ouais, du lourd. Allez sur mon site, kemarsite.com.
pour être plus précis, que martyresite.com. Ouais. Et il y a tout, il y a tout, il y a tout. Toutes les infos qu'on veut. Ouais, ça a plus de 70 000 vues, voilà. Faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui vont cliquer en ce moment, c'est bien. Ah, ça clique, c'est une évolution. Il faut, c'est ça, c'est la nouvelle génération maintenant, ça clique, ça clique. C'est ça, c'est ça. Si, t'es venu avec pas mal de personnes. Ouais, bah là, à ma droite, Fazotic, gauche, DJ, comme je disais, Oscar, Jax, Kemis, Riz, le mec qui filme, Sgalou, le Tok Tok, Lenis Aref. Donc voilà, dédicace un peu à tout le monde aussi dans le staff. Il y a mes petits cousins Chrissy G qui sont en bas, qui attendent pour le freestyle. Si. Ainsi que plein d'autres artistes. Je me bats déjà, t'as vu, tous les artistes qui sont là, qui attendent. Si. Parmi tout ça, je suppose qu'il y a d'autres projets. Ouais, carrément. Donc, je sais pas, je vais lancer mon but, les mecs. Ouais, bah, président, ça va arriver là, pour l'hiver, là, tout ça. Le DJ Shogun, voilà, artiste de Noisy le Grand. Hein. Et voilà, ça fait pas mal de temps dans le milieu et tout ça. J'ai fait des petites apparitions pareil hein, sur pas mal de petites compiles, des petits projets pour la famille Haussmann, des mecs de Paris. Ça fait combien de temps que t'es dans le game? Bah en fait moi j'ai commencé à gratter, j'avais 13 piges hein, frère. Hein. Aujourd'hui j'en ai 28. Et puis c'est aujourd'hui que j'ai décidé de vraiment projeter mon projet là, comme on dit. Je sais pas, j'avais l'impression de plus me blaguer vraiment sur moi-même. Tu sens que le truc il est prêt. Ouais, je sens que le truc il est prêt. J'ai déjà fait des petits clips promotionnels là qui sont sur pas mal de sites de rap français. On peut retrouver. Ouais. Ou un clip ou deux comme ça. Bah, parce qu'il y a des gens qui sont là sur internet. Il y a Eba ouais. Tu tapes DJ Shotgun. DJ Shotgun c'est 2DYE. Hein, Shotgun comme ça s'écrit. Hein, Eba ouais. T'as quoi? T'as DJ Shotgun nouvelle saison Pac-Man. T'as aussi DJ Shotgun clip officiel, pareil. C'est un mec qui a sorti son album il n'y a pas longtemps, un mec de Noisy le Grand, pareil, tu vois. Qui a fait du bon boulot, qui a bossé avec Rapadon, tu vois, qui a pris une boîte de com, on a fait de la bonne promo. On a fait un mastering chez Master Disc Europe là-bas, là, sur les champs. Donc, tu vois, le projet là, c'est propre, tu vois. Ouais, t'es parti à droite, à gauche, ouais, et maintenant voilà, là, t'es donc, prêt voilà, à. Ouais, tu vois, comme on dit aussi, j'ai un grand à moi que je respecte beaucoup qui s'appelle Simsky, vraiment quelqu'un de la famille Haussmann. Comme je te dis, les anciens Jedi qui ont commencé dans le Time Bomb, qui est vraiment, on va dire, derrière moi, on va dire, qui me supporte vraiment, tout ça, qui m'envoie des plafonds. Voilà, je dois envoyer mon clip sur O5TV, etc. Donc on essaie de faire les choses doucement, mais je suis 100% AD, c'est-à-dire les studios, les machins, tout ça, c'est moi qui gère, tu vois. C'est toi qui rack. Voilà, donc en gros, t'as vu le projet Black President, t'as vu, j'ai commencé le projet en 2009. Et Inch'Allah, là, t'as vu, j'essaye de pousser pour cet hiver, là, t'as vu, si Dieu veut. Si peu importe les moyens, t'as vu, je vais le sortir sur le net. Et en physique aussi, je vais le mettre dans les stands, tout ça, parce que j'ai des petits contacts par rapport à Doyen Oji, des mecs du 9-1. Si, Doyen Oji, on a passé son Doyen Oji, voilà, donc Nubi. Doyen Oji, voilà, spécial dédicace à Doyen Oji, spécial dédicace à son projet qui est sorti il n'y a pas longtemps. Spécial dédicace à tous les mecs du 9-1, vraiment, qui sont dans le game. Ok. Et spécial dédicace à moi, Kazik Music, Noisy le Grand, Noisy G, Champy G, et au petit FA Baby, là, qui arrive, là, en ce moment. Franchement, c'est du bon. Ah, si. Voilà. On écoute ça aussi. Donc, sur les autres. DJ Shotgun, et Kayan Guns, Black President, bientôt sur le circuit, ça va arriver. Inch'Allah. Bah, voilà, on incite les gens à aller. Vous êtes déjà sur Internet, allez. Cliquez, regardez ça. Voilà. Ça Pac-Man, nouvelle saison Pac-Man, featuring Kumba Lovni. Et voilà, il y a un L'Imparfait aussi featuring avec Papy. Tout ça c'est clippé, c'est du clip officiel, c'est du propre. Voilà, ça a été filmé par Christian Kileba, voilà, avec les bonbons. Voilà, ça a été monté par Clarky, pareil, fichai.com. C'est du bon boulot. Si. Voilà. Bah, on invite les auditeurs à aller regarder ça, hein, vous êtes sur Internet. Ouais, sur allez YouTube, cliquer, tout quoi. Simplement, DJ Shotgun sur YouTube. Allez, cliquez quoi. Aïe. Si. Continue le tour de table. Ouais, bah moi, je me présente, hein, c'est Otska. Otska, comment t'écris ça? ODDSK. Si. Simple. Voilà, maintenant, moi je prépare un projet là, il s'appelle Monter en puissance. Ouais. J'en suis à mon deuxième projet. J'en ai fait un et je l'ai sorti sur iTunes, tout ça, mais juste en téléchargement. C'était il y a combien de temps? C'était au mois de juin. Au mois de juin dernier. Combien de titres? C'est quoi? C'est un peu le parcours de tout ce que j'ai fait depuis, ouais. Tu vois. Donc il y a beaucoup de titres. Je crois qu'il y a 34 tracks, t'as vu? On a bombardé les gens. On a mixé ça avec DJ et ça. Et moi d'ailleurs, j'invite les gens. Je l'ai mis en téléchargement payant et gratuit. C'est-à-dire, c'est lui qui fait le choix. Tu vois, il y en a, ils l'ont pris en gratuit, après en payant.
il y en a d'autres, et vice versa. Donc voilà, c'est en fonction des moyens des gens. C'est pas mal, tu laisses le choix. Voilà, c'est moi je te laisse le choix, tu vois. J'aime l'initiative. Voilà, tu sais, c'est pour ce premier projet. Donc voilà, moi c'est Otska, j'ai une 77, je marche à la famille, on a commencé à rapper ensemble, avec les premiers freestyles. Sur des cassettes, tout ça, voilà. Et voilà, moi je prépare mon temps en puissance. Hein. Il arrive doucement, je suis au 6ème track. Là, il y a un son qui tourne là sur YouTube. Il s'appelle Banlieue. Voilà, vous tapez ODDSK, vous allez voir Banlieue, faites-le tourner le son. ODDSK, le clip, on balance le mois prochain. Donc voilà, vous verrez, normalement ça va être un clip lourd. Sinon, j'ai fait un clip pour le projet d'avant qui s'appelle Un cran au-dessus. J'ai fait ça avec Glenn Smith, celui qui fait les clips de La Fouine, de La Banlieue Sale. Donc vous verrez, c'est du lourd. On a fait du lourd, nous, on bosse en équipe, dedans il y a que Marie, il y a tout ça. Du travail, ça taffe, ça taffe. Ah ouais, voilà. Ça arrête pas, voilà. Mais avant tout, moi je suis venu big up le frelon que Marie ici, voilà. Exactement, tout ça. Marre moi, t-shirt. Ouais. Moi, ma promo elle est cool, mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est le frelon, qui a déjà laissé des likes en place sur la table. Exactement. Et big up à tous les soutiens qu'on a, hein, du 9-3 partout, d'ailleurs, tous ceux qui écoutent cette radio. Moi, c'est le grand. Force à vous, les gars. Big up à vous aussi. Merci, merci, big up, frère. Eriz, House Money, Le Blizz, 77. Noisy G, Noisy Grand, toute l'équipe. Manox, Arlin. Ça les pas 10 ans, tout ça. Si, poteau, il y a des rendez-vous où on peut vous trouver, il y a des coins. Ah non, nos checks, hein. Il y a des coins où on peut venir, je sais pas. Non, bah. Bah déjà, les gens, s'ils veulent trouver Kemar ou quoi, nous, on, déjà, faut venir sur nos liens sociaux, hein, Facebook ou quoi, tu vois. Ou sur les sites, s'ils veulent savoir comment ça se passe. Moi, j'ai ma page de fan, Otska officiel. Je tape Chosen sur Facebook. Qui est Shotgun, et qui est Young Guns, voilà. Pareil, Facebook. Kemar l'infâme, vous tapez tout ça. Il y a toutes les actualités, tout ça. Voilà, Fazotic, Jax, RZ, manière. Ouais. Quand vous tapez un blaze, vous allez voir tous les mêmes blazes, ils défilent derrière. Donc ça, c'est cool. YouTube, c'est pareil. Voilà, on bosse en famille. Tout le monde croit, on bosse chacun de notre écho, mais c'est en famille. Donc il n'y a pas de galère. Mais le soir, c'est big up à Kemar la femme. Ouais. Ah, tout dans le Kemar. La fin du rap game, la fin du rap game. Le mot de la fin. Le mot de la fin du rap game. Le mot de la fin du rap game. Écoute, déjà, grand merci pour l'invite, hein, pour la deuxième fois. Et puis. Allez télécharger, allez sur mon site kemar-site.com. Allez-y, allez-y, foncez, bombardez, y'a pas de galère. Et big up à l'équipe, voilà. On attend le freestyle qui arrive. 100% 1D, 100% 1D. Vraiment, ah, tu m'as quitté ou quoi? Ouais, moi je me présente, c'est. Il y a une équipe là derrière. Si. Moi je me présente, c'est Jax P900. Donc. J'ai sorti un projet au mois de juin. C'est ma première mixtape, hein, bien sûr, de 28 morceaux parce que j'avais du temps à rattraper, bien sûr. Qui s'appelle comment? One Ten Mort ou Vive. Ouh, et donc le deuxième projet que je compte sortir au mois de mars 2012, qui s'appellera Visibiliser. Hein, la famille, on est toujours là, ça travaille en équipe, toujours avec les mêmes têtes. Hein, les sales crapules. Si, la famille. Je voudrais placer un petit big up aussi Arlin. Deux anniversaires. Ouais, anniversaire. Toute l'équipe du Blizz, Manos, Lexri, Soldat, toute l'équipe. Soldat, KMR, Kemar la femme, RIZ, le petit Max, Chico, Gaylor, toute la famille, tout le monde, Delphine, Togums, toute la famille, toutes nos parents, nos proches, on galère, on est des mecs, on prime, t'as vu, H24. Exact. On fait ce qu'il y a à faire pour vivre. On est en AD, 100% AD. On suce pas des bits, des PD, là, des trucs chelous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On essaye de faire des trucs à peu près carrés. On essaye d'innover aussi. Parce que c'est important d'innover. Maintenant, il y a beaucoup d'artistes. On est plein. Tout le monde veut gratter sa place. Mais le truc, c'est qu'il faut essayer d'innover. Et pas essayer de regarder tout le monde. Nanana, tu vois? Tu peux regarder les autres, avoir des petites idées, des trucs. Mais il faut pas. Tu vois, faut pas trop sucer non plus, tu vois, faut faire son truc à soi. Faut faire son truc à soi. Donc voilà, je suis là, ce soir c'est Kemar la femme qui régale. Donc on est là, on est chaud bouillant aussi pour le freestyle et pour tout le reste. Hein, comme vous avez bien entendu, il y a plein d'autres petits dehors qui attendent, qui ont la dalle au vent, qui sont énervés. On va écouter, on vous attend, on va écouter ça. Voilà. Donc là je vais laisser place à Mister Fazotic qui va dire un peu son projet. Voilà. Ok. À tout à l'heure. Bah voilà, moi c'est Fazotic, F-A-Z-O-T-I-K. La même branche, hein, pareil, on a commencé avec les Kemar la femme. De manière soir, on est tous des Kemar la femme. Aïe. On est là pour représenter, y a pas de soucis.
Après voilà, j'ai fait un petit clip aussi sur YouTube. Donc tu tapes On Avance. Même Phasotique sur Google, tu trouveras tout. Pareil que Marlin Femme, Phasotique, AMR, tu trouveras tout, il n'y a pas de galère. JaxP900 aussi. Donc voilà, on est là. Après, je suis aussi dans un petit label. Donc voilà, big up au Six Force Studios. Avec Oz, Slick, Melody, parce qu'on est une chanteuse aussi dans le label, assez carré. Et voilà, on fait nos bails, on avance tranquillement. Et mon projet s'appellera Avec le Temps. Pour l'instant, il est en préparation. Mais ça arrive tranquillement. Et ça compte faire mal parce que c'est le but du rap. Game. Aïe. Donc voilà, et voilà, on est là, donc là on va faire la radio, ça va être du lourd, ça va être du sale, il n'y aura pas de blanc, on va pas s'arrêter, ce sera du lourd, que si, des 16 si. Mesures. Ça promet. Ouais, ça part en balle. Si, si. Donc voilà, on est là. Après pareil, hein, j'ai le t-shirt, on est là pour représenter, c'est que Marlin Femme. Ouais, voilà, à cette heure-ci, je m'appelle plus Phasotique, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais après voilà, Phasotique sur Google, pareil j'ai un Skyblog, Facebook comme tout le monde, MySpace, Phasotique sur Google, vous trouvez tout. Voilà. Tout dans le cadre. Voilà. Comme je dis, hein, les musiques font mal de la première à la vingtième, ok? Ok. Ok. Que marque ton projet? Aïe. Yes. Pour le 16 décembre. Voilà, 16 décembre 2011, ouais. Juste avant 2012. Donc voilà, si on écoute la théorie des Mayas, des trucs bizarres. C'est la fin du monde, même si je sais qu'il y a que Dieu qui sait tout ça. Personne ne peut prévoir la fin du monde, hein, sont sérieux. Bah voilà, moi j'espère que ce sera en tout cas la fin du rap game. Ouais, moi je l'espère. Vraiment, ok, tout dans le câble. Bon, ouais. Ça promet la fin du rap game pour le 16 décembre. Yeah. Voilà, c'est noté. Allez, téléchargez en avance alors qu'il n'est pas encore là. Après, ouais, j'avais un dernier mot à placer parce que voilà, j'ai big up le label. Mais il y a aussi dans le Val d'Europe, on a énormément d'MC qui rappe aussi, qui est dans le game. Donc après, ceux que j'ai oubliés se reconnaîtront de manière. Il y a trop de blagues, je pourrais pas les citer, mais ils savent de qui je parle. Ils savent très bien, il n'y a pas de souci. Si, si. Tout dans le cas. Ok, c'est noté. Connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirait même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar. Pour se noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Faites un baisse leur croque pour se voir dans un diamant. Et taillerait des filles pour être à la une comme à gloire. Oublie pas l'essentiel, inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en déci. L'intelligence est mangée par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres. Est encore loin du compte de nos jours, ce qui compte, c'est l'apparence et les droits qu'on compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre. Dans ton joint, comme dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Et pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi. Ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. Tu lui refais un mode. De retour, je suis encore vivace. Avec une fâche, je peux t'épater encore 10 ans. Encore du style, toi qui vois que j'étais noble. J'ai vu larguer du lourd et de la punchline pour ceux qui croyaient que j'étais mort. Le rap, c'est mon domaine, quoi. Alors je m'y amène. Autant que mes problèmes dans ma tête, c'est pourquoi je vis avec. Je suis constamment avec ma plume et je rappe intensément. Armé jusqu'aux dents, il faut que je t'allume, bah je le ferai forcément. Je suis dans l'obligation de continuer ma décision. Tu me vois en guérison, bah là je perds, c'est la précision. Balance du neuf avec du leu. Pour la mi frère, j'écris pas pour la rime mais pour l'homme qui sort de ma mine. Hey, je suis venu remettre les pendules à l'heure, mettre à jour à niveau à zéro pour mon projet me faire connaître à nouveau. Voilà du nouveau sur le beat frérot. Toujours des couples à la page, je suis sur les stats, c'est pourquoi je vis très haut. Yeah. Un mal de vivre au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des hippies trop tapis. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique. Puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries. Orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage et mets tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraînent que entre chéris. L'apprentissage dans la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés et de leurs nombreux cris. Je ne vois pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qui a pas un bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de finances. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Vla.
Tu marches la femme, certains du pif font des trucs sales. Collabore avec le chétan coincé dans la même salle. Dans l'impasse avec la rage au ventre et l'amertume dans le crâne. Que on bosse pour enrichir les plus plats de cet état. Dans nos poches, on trimballe constamment nos paplas. Pour nos gosses, on se doit d'avoir le gros paftard. Pour nos proches, il faut plus voir les petits galérer dans le Porsche. Qui voient les petits blindés passer avec leur Porsche. C'est l'époque où le mal remplit tous les stocks. C'est la misère et la haine qui remplit tous les blocs. Ce système foutu des blocs, te voir traîner dans la poussière avec un trou dans le bide. Il mérite que des paroles grossières. De ma part, je me rabaisserai pas à ce système qui sème ses fruits. Et après, c'est le jeu qui sème. Je te renseigne dans le mat de vivre que contient nos anciens et tous ceux qui sont en chien dans un climat qui est machin. Que dans la femme, pas nous. Ok, écoute ça, ok, yeah, yeah. Je compte à rendre personne. Sur la prod, je me débrouille de mon dos jaloux si on coule. Avec un beat aussi old school. Avec des fois c'est le motif, des fois c'est les mots têtes. Me demandez pas pourquoi j'esquive. La chance à frapper mes repères. Je fais le check, je fais la victoire. Pas aussi vite je crois, mais bon je me donne l'envie quoi. La force me donne envie de croire. J'apporte un zig moi. Attends que la rime parte ou bien que t'en profites. Gars, je te réponds aussi vite je clash. C'est la reprise, pas la primaire. De le rap c'est là que je mène. Et puis sur le beat moi j'ai passé la première. J'ai pris les freins comme une axelle. Je viens percer l'abcès, me détrôner n'est pas la peine. Je monte aussi vite que la nacelle, mais je redescends pas. Si je suis monté c'est pas pour rien, mais je redescends pas. Mec au coup de main, ne restez sans pas. Donc t'inquiète, y'a pas de soucis, j'improvise. Qu'est-ce que tu crois, c'est pas zodique. Dans le rap, je pars à l'improvise. Donc t'inquiète, même tu sais, là c'est de l'intro. Mais qu'est-ce que tu crois, je suis en radio vert et je kiffe comme intro. Donc t'inquiète, même tu sais, c'est plus du sale. Qu'est-ce que tu parles avec une punchline, on ne fait que du mal. C'est pas menacé, ma haine n'est pas palpable. Dans le son, j'ai des logiques comme fraîche. Dans son cartable, viens pas me lécher les potes. J'suis un petit jeune castable à la pasta. On pèse ta commune et ton état. Ton gens se prennent pour des boss, pour des pascales. En pagaille, c'est les mêmes qu'on retrouve. En calvar, dans une bataille, trop de gens se prennent pour des boss. Mais ils ne sont pas taille. Pactal m'a consacré l'espèce de sale bâtard. Enlève ton nez de la coche et arrête de jouer la racaille. Pense à tes proches, au charbon, même quand ça caille. Pour faire manger les loches qui braillent quand y'a pas de drap. Une vie aussi moche, tu les starts tous les jours que le pas. Protège, mais tes côtés sont nombreux d'avec ta femme. Et préviens les fans, on n'est pas là pour la rigolade. C'est que par la femme avec l'équipe chez Yen face au titre. Aïe aïe aïe. J'arrive pour t'annoncer, j'ai pris du retard mais toujours avancé. Je suis prêt à lancer, dream de dingue qui risque de t'allonger. Écoute bien mes lyrics, de toute façon ça mène à quoi. Et même si je rappe et que j'avance pas, c'est pas la mer à boire. Ma vie c'est la routine et on la connaît tous. Dans les galères, quand c'est la merde, on est abonnés tous. Alors j'écris de mon côté, j'attends que mon heure sonne, pas pour me la raconter. Moi je reprends exemple sur personne ces temps-ci. Quand je m'accroche, je suis toujours pensif. Mais je compte taper la prod comme une patate dans les gencives. Mais j'insiste, parce que ma zik est bien plus qu'un film. Je veux pas couper la scène, c'est un vrai. Bah vas-y, je t'invite, je fais croquer. Si jamais je perds, c'est que ma vie est truquée. Même si je suis coté, on fera un feat, si tu me fais trotter. J'écris souvent du triste, mais je vais pas lâcher prise. Tous mes thèmes sont gris, j'avance dans l'ombre dans cette vie incomprise. Bah